Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 9 décembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, libérés. Il se peut que nous soyons entourés de négativité. Eh bien, il est important de trouver les moyens de nous en libérer. Vous n'avez pas forcément conscience de l'énorme effet que cette énergie peut avoir sur vos sentiments. Une manière rapide d'expulser l'énergie indésirable est de l'imaginer rincée par le filet d'eau que vous faites couler sur vos mains. Alors l'eau en mouvement nettoie et transforme votre énergie. Une autre approche de nettoyage consiste à prendre un bon bain d'eau de mer salée ou à utiliser une pâte au sel de mer additionnée d'eau comme brosse sous la douche. Vous savez, l'eau purifie, n'est-ce pas? Vous pouvez également brûler de la sauge quelques minutes et sentir la fumée emporter l'énergie lourde. La sauge nettoie. La sauge fait disparaître les énergies négatives. Le sel retire les impuretés et les toxines accumulées dans le corps. Celles-ci peuvent, provenir d'influences physiques ou émotionnelles, n'est-ce pas? Un mauvais régime alimentaire. Et aussi l'exposition aux polluants et les résidus émotionnels des désagréments dus, au stress quotidien. Cela contribue à l'accumulation de toxines. Vous savez que le stress engendre beaucoup de choses. Peu importe, n'est-ce pas, la source du problème. L'important est de libérer. De libérer et de nettoyer. Nettoyez l'énergie indésirable que vous ne voulez pas, que vous ne voulez plus, cette énergie qui vous fait sombrer, ce stress que vous ne voulez plus. Faites le nécessaire pour vous purifier chaque fois que vous le sentez nécessaire. Une lumière est émise des mains de la déesse, vous pouvez le voir sur l'illustration. On voit cette main, je suppose que vous la voyez aussi. C'est pour illustrer la libération de l'énergie. Cela peut aussi indiquer une manifestation spirituelle, une prise de, pourquoi pas, de conscience ou un changement inattendu. On voit que cette belle carte, n'est-ce pas, parce que c'est une magnifique carte, elle met en lumière l'opportunité d'un sujet qui vous passionne. Alors, on voit qu'il y a des nuages, et les nuages montrent que vous n'avez pas une vision complète de ce qui se passe. Ils peuvent
fait référence à des éclaircissements ou à un stress qui s'allège. Eh bien, faites en sorte de purifier votre énergie et je vous assure que vous sentirez en tous les cas un changement énergétique certain. Purifiez cette énergie négative, transformez-la en énergie positive. Quel beau message! Je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Je voudrais aussi vous remercier. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie des messages que vous me laissez. C'est gratifiant, ça me fait énormément plaisir. Ça me permet de vous répondre. Et puis si vous aimez mes vidéos, eh bien, un petit clic sur le petit pouce. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous dans la douceur. Je vous embrasse. À demain. Thank you.